Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, si cela revenait pour nous. Gloire à Dieu. Donc, l'épître de Romains est un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. Paul était un apôtre de Jésus. Avant des apôtres, il a été un pharisien, un fervent pharisien, un persécuteur de l'Église du Seigneur. Et ici, il va envoyer cette épître. Alléluia. L'Église, Rome, c'est une ville, hein, c'est la capitale d'Italie, c'est pas une dénomination. D'accord ? C'est la capitale d'Italie et il y avait des chrétiens, des gens qui avaient fait une expérience avec Dieu, d'accord, qui avaient rencontré Dieu et qui vivaient dans cette ville. Donc il s'adresse, l'apôtre s'adresse ici à eux. Paul n'est pas le fondateur, c'est pas lui qui a fondé l'église de Rome. L'église de Rome est née juste après la Pentecôte, d'accord. Donc ce sont des gens qui étaient venus, qui s'étaient rendus à la Pentecôte. Nous sommes dans Actes chapitre 2, donc des Romains qui s'étaient rendus à Jérusalem parce que c'était des gens qui avaient embrassé la foi juive, d'accord. Et ces gens-là, non seulement il y avait des Juifs qui vivaient à Rome, et comme en Israël il y avait ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, il y en avait 7. Et 3 qui étaient des fêtes de pèlerinage, dont la Pentecôte, et tous les Juifs de la diaspora, chaque année, 3 fois l'an, ils se rendaient à Jérusalem pour célébrer cette fête. Parce que à cette époque-là, nous sommes à l'époque de la loi, d'accord? Et les fêtes de l'Éternel étaient. Elles avaient toute leur place, en fait. Et Jérusalem était considéré comme l'épicentre de l'adoration, parce que c'est là qu'il y avait le temple que Salomon avait bâti, et la Bible, Dieu vivait dans la troisième, il habitait dans la troisième partie, du temple, appelé le Kadeshim, le lieu très saint, d'accord. Donc, ils se sont rendus là-bas. Quand il y a eu le mouvement de l'esprit, on peut le lire, hein, dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Donc quelqu'un dit Actes chapitre 2, après je dirai stop. Oui, à partir du premier verset, oui. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Voici, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Et comment les entendons-nous, chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés ? Parthes, Médès, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, les Juifs et prosélytes. Voilà, donc ici, il y a des chrétiens, il y a des Juifs qui habitaient l'Italie, qui sont rendus à cette fête, aussi des païens qui avaient embrassé. Les prosélytes, c'est des païens en fait. Qui avaient embrassé la foi juive en fait, qui judaïsaient en fait. Ils se sont joints à ces juifs-là, étrangers, pour aller à cette fête. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, quand il y aura effusion de l'Esprit, l'apôtre Pierre, qui avait régné à toi, au Christ le Seigneur, revêtu de la puissance de Dieu, alléluia, il va prêcher Christ, au point où 3000 personnes, il y aura 3000 convertis qui vont se donner à Christ. Et ces gens-là, donc ils ne sont pas restés. Pierre n'a pas essayé de les retenir là, à Jérusalem, en disant, maintenant nous allons mettre une structure, on va créer une université pour vous enseigner sur les voies de Dieu. On va mettre une faculté de théologie, on va mettre des écoles bibliques, chers frères et sœurs, pour vous enseigner. Comme ça, après vous allez retourner dans vos pays, dans vos différents pays. Nous voyons la Libye, par exemple, la Libye, l'Éthiopie, dont il y avait des Éthiopiens. Ça veut dire qu'il est parlé des langues, c'était des langues naturelles qui étaient parlées. Ce n'était pas les langues des anges. Hein. Parce que ce passage prête souvent, on dit que non, ils ont parlé en langue, mais c'était les questions parlent des langues naturelles. Ça veut dire que le latin, il y a parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y a quelqu'un qui a proclamé les merveilles de Dieu en latin. Parce qu'en Italie, on parle le latin. Et les Italiens ont été convaincus de ce message. Donc le Seigneur les a interpellés. Et ils sont rentrés, ils ont accepté Christ. Alléluia. Et ils sont retournés. D'accord. On veut dire, on ne les a pas retenus. Parce qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui bâtit l'œuvre. Ce n'est pas l'homme. Ils sont retournés, ceux qui sont venus de la Libye sont retournés, ils sont allés en Afrique. Donc chacun avec le, pour répandre quoi, le témoignage, alléluia. Et nous voyons Paul donc, Paul connaissait qu'il y avait des gens qui avaient fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il va les écrire, alléluia, par rapport à ce que ces gens-là vivaient, parce que à Rome, ils étaient persécutés en fait. Ils étaient persécutés à cause de la foi, parce que tout simplement, ils avaient reçu Christ, d'accord. Et il va les fortifier en leur disant que les légères afflictions qu'ils peuvent, ce n'était pas aussi légère que ça, mais quand ils comparent à la gloire de Dieu, donc c'est rien, parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient jetés en pâture aux animaux, en fait. Hein. Parfois, on prend deux chevaux comme ça, un à droite, l'autre à gauche, on prend le pied droit, on attache sur le pied gauche, on attache sur le cheval de gauche, je t'assure, et tu étais comme écartelé comme ça, oui. Donc il y a des chrétiens qui ont souffert sous César, pas possible, sous Constantin, pas possible. Donc il y avait la persécution et ça a commencé à décourager, alléluia, à amener les gens à renoncer, à avoir honte de l'évangile. L'apôtre, dans le premier chapitre, il va dire, moi je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc ils avaient honte. Ils étaient obligés d'abandonner. Ils étaient obligés de renoncer. Ils renonçaient à la foi. Il va les envoyer cette épître-là pour les encourager, mais aussi dans le Romains chapitre... Pourquoi c'est Romains? Romains 1, 12, 11, 12. On peut dire Romains 1, 12. Romains 1, 12. Romains 1, 11, 12. Romains chapitre 1, verset 11, 12. Qu'est-ce qu'il dit Romains 1, verset 11 à 12? Romains 1, verset 11. Oui.
qu'est-ce qu'il est dit? Romains 1, verset 11 à 12. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Et voilà, donc ici, il désirait aussi aller voir ces personnes, les rencontrer, alléluia, pour partager de vive voix. Il n'y a pas les églises, on a aujourd'hui des groupes de prière qui se créent sur net, les gens se connectent sur net, sur le net comme ça, et ils prient, tu ne sais pas si c'est un sorcier, si c'est un sataniste, et ils font des prières, il y en a, tu ne connais même pas si c'est des chrétiens, chacun vit sa vie. Donc, ils voulaient les voir de vive voix, alléluia. Donc, à l'époque, on pouvait prendre le bateau, on marchait aussi à pied, ou on utilisait le cheval pour se déplacer. Et le moyen de communication qu'on utilisait, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision comme aujourd'hui. Hein? Il n'y avait pas les mails. Donc, on utilisait, c'était les lettres, en fait. Tu vois, ça prenait le temps que ça prenait. Sauf que ces lettres arrivaient à destination. Donc, il va les envoyer, ces lettres, pour les encourager de rester attachés à Dieu, de ne pas lâcher la main du Seigneur, quelles que soient les souffrances. Parce qu'en fait, la gloire de Dieu, parce qu'on veut la gloire, on parle de la gloire. La gloire de Dieu est liée aux souffrances. Ce n'est pas les souffrances qu'on va essayer de nous imposer nous-mêmes. Il y a des souffrances qui vont venir tout simplement parce que nous avons décidé, nous, de marcher avec le Seigneur. Je crois que c'est 2 Timothée 3:12 qui dit que ben, c'est le lot de tous ceux qui sont pieux, en fait. Hein. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand on veut véritablement marcher avec le Seigneur, alléluia, on veut suivre la direction de l'Esprit, ben, il y a un combat, alléluia, il y a une opposition. Hein. Il y a un combat même au-dedans de nous-mêmes, alléluia. Il y a une lutte intérieure parce que la chair ne veut pas se soumettre aux choses de l'esprit. Et puis il y a des combats extérieurs, ça peut être pas, surtout quelquefois c'est des liens les plus forts, nos proches, les membres de nos familles, alléluia. Mais il faut qu'on tienne, on tienne bon, alléluia, on tienne bon si on veut voir l'œuvre de Dieu, si on veut voir l'accomplissement des promesses, si on veut progresser, alléluia, si on veut progresser dans les voies de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui puisse remplacer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'élévation que ça peut se traduire comme l'élévation, le positionnement, c'est l'honneur, c'est la dignité. Alléluia. Le Seigneur veut que nous allions de dignité en dignité, mais c'est aussi la gloire de Dieu, c'est un poids en fait. Hein. C'est un poids qui vient et qui nous amène, qui nous donne à être stable dans la marche. Hein? On n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Le mot aussi en grec, douza, c'est prééminence en fait. C'est la supériorité de tout ce qui est. C'est une supériorité absolue de tout ce qui est premier. Alléluia. Supériorité absolue de tout ce qui est premier. Et on sait, dans la Bible, il nous est dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ, en lui faisant en soi dans les lieux à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute principauté, autorité, prince, tout ça, méchant esprit dans les lieux célestes, au-dessus de tout nom. Il peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir, parce qu'il y aura aussi des noms, mais le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom, afin que en son nom tout genou fléchisse et que tout langue confesse. En même temps, l'Église, je crois, c'est Éphésiens 2, 6, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, parce que, en fait, si Jésus est assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté, au-dessus des rois de ce monde, ça veut dire que son règne est supérieur, d'accord? Et nous, en tant que membres, ben, nous sommes assis avec lui. Si on est greffé à lui, d'accord, hein? Donc Dieu n'a pas seulement fait asseoir, il a fait asseoir Christ dans son entièreté, tu vois. Tous les membres en fait sont assis et nous formons les membres, même si je suis l'homme, je suis en Christ, je suis assis. Donc ça veut dire que la même autorité qu'il y a dans le Christ,
cette autorité coule en moi. Pourquoi? Parce que je suis greffé en lui. Hein? Donc comment on peut dire aux enfants de... Les enfants disent ont peur des démons. Ben, il y a un souci. Là. Tu vois? On ne doit pas avoir peur des démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Tu as la gloire de Dieu en toi. C'est la présence du Seigneur. Alléluia. C'est ça qui chasse l'ennemi. Alléluia. Oui. Donc, on doit s'attacher tout simplement. On doit être attaché à Dieu. Alléluia. Il faut s'attacher à Dieu, ne pas reculer. Alléluia. Mais si on recule, on va limiter l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est une vie de progrès. On va de gloire en gloire, de transformation en transformation. Tant que le Seigneur n'est pas venu, donc le travail n'est pas fini. Donc on doit laisser la possibilité au Seigneur de continuer à nous revêtir de sa nature, de son caractère. C'est ce qui fera de nous des hommes et des femmes puissants dans l'esprit, ne reculant devant rien, prêts au sacrifice ultime. Chers soeurs, les apôtres, ben, ils n'avaient pas peur de mourir, ils n'avaient pas peur d'être battus. D'abord, ils étaient heureux. On les inflige la bastonnade pour le nom du Seigneur. Et ça, ce n'est que la présence de Dieu qui peut nous rendre capables d'accepter ce genre de situation, des afflictions, chers professeurs, dans le Seigneur. Donc, voilà. Restons attachés au Seigneur. L'évangile qui nous dit que quand tu as Jésus, les souffrances, c'est fini, c'est pas vrai. C'est pas un évangile de la vie. Alléluia. Donc, la vie chrétienne est le fait de souffrance, de persécution. Alléluia. Donc, des preuves, mais si on reste persévérant, on va être sauvé. Sauvé. On sera enlevé. Jésus n'est pas encore venu, s'il nous a fait des promesses, nous allons rentrer dans ces promesses. Alléluia. Nous allons les vivre. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier Dieu. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont persécutés, qui sont éprouvés ce soir, en ce lieu. On va demander au Seigneur vraiment qu'il nous visite, qu'il nous soutienne, qu'il nous fortifie intérieurement. Alléluia. Oui, donc, oui, peut-être c'est un chemin obligé, tu vois, pour nous amener à plus à plus de sa personne. À Gethsemane, le Seigneur avait prié, éloigne de moi cette coupe. Mais le Seigneur n'a pas éloigné la coupe, il a envoyé un ange pour le fortifier. Et ce soir, peut-être que je suis cet ange-là qui a été envoyé par le Seigneur. Un ange, c'est le messager de fortifier, tout simplement. De continuer la marche, persévère. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul était apôtre, non pas. Il n'y a pas des écoles pour former les apôtres. D'accord? Ce sont les dons de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes. Donc il y a une diversité de ministères. Parce que les gens, aujourd'hui on a des écoles qu'on a ouvertes et les gens savent que le seul ministère c'est pasteur. Les gens vont te former pour être pasteur. Non, il faut savoir ce que tu es dans le corps. Peut-être que tu es appelé à fonctionner comme évangéliste. Peut-être que tu es appelé à fonctionner comme, prophète. Je ne sais pas. Donc il faut demander à Dieu ton appel et Dieu va te former. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la formation des hommes. Amen. Dieu va te former. Toute la formation, elle est là. Hein. Jésus a formé ses disciples. Il nous forme dans le temps. L'erreur que nous, aujourd'hui, le christianisme moderne a produit, c'est de mettre des formations à part, en dehors des réunions, des assemblées. Les apôtres n'ont pas fonctionné de la sorte. Ils enseignaient les fondements. Alléluia. Ils enseignent les fondements, ils forment les disciples. Parce que tous nous le sommes. Et c'est parmi les disciples que Dieu lève. Il suscite des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Ce n'est pas ailleurs, il n'y a pas des écoles spécialisées, spécifiques pour former. On a des écoles de prophètes même, où tu vas aller payer de l'argent. Tu vois? Mais oui, tu auras la lettre, tu auras le bourrage de crâne, mais l'onction qui va te rendre capable. L'onction qui va te rendre capable d'exercer, de chasser les démons, aucune école ne pourra te donner. L'onction qui va te donner la force, que quand les femmes viendront avec les démons de Jézabel pour vouloir te séduire, tu n'auras pas cette onction pour résister. C'est comme ça. C'est pourquoi tu trouves les pasteurs, ils se divorcent, ils remarient, ils divorcent, ils vivent dans la confusion et le désordre total. Tu as besoin de Dieu, mon ami. Tu as besoin d'être dans les bras
du Seigneur. Et tu verras, l'œuvre va se faire en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur va te rendre fort. Amen. Fort comme un télévent. Amen. De justice. Seigneur, merci. Seigneur, on prie Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Merci. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Nous voulons Jésus. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Seigneur. Ce soir encore, nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, tu libères ta présence ce soir au milieu de nous, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, s'il y a des âmes, Seigneur, qui ont besoin d'être fortifiées ce soir, Seigneur, tu les visites puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, tu chasses le découragement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Seigneur, tu élimines la peur de l'onction de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce soir, coule. Seigneur, laisse couler, Seigneur. Laisse couler ton esprit ce soir dans ce lieu. Seigneur, que ton peuple soit puissamment renouvelé dans la vision du royaume. Seigneur, la conquête des âmes. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu prends. Oh Seigneur, une vie de témoignage au puissant nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur. Père, parce que tu communiques avec toi. Tu libères ta présence Seigneur. Tu libères plus que ta vie. Chocolo, chocolo, chocolo. Cholo, voyage, masse, machaka, taya, machaka. Chikaya, masolo, chika. Seigneur, tu visites. Tu visites. Tu nous visites ce soir. Tu nous visites. Ce soir. Seigneur mon Dieu, mon Père, c'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi qui fais l'œuvre, Seigneur. Tu bâtis ton œuvre en nous. C'est toi qui construis ton église. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu l'as bâti avec des matériaux à toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci pour ton règne, Seigneur, ton règne de paix et de joie, de justice par le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, un vent nouveau, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu balais les fondements, tu lâchais les raisonnements humains. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu, Père, un éclairage nouveau, tu déchires le voile. Consume tout ce qui est pour le vivre, Seigneur. Embrasse-nous, Seigneur, par ton feu, Seigneur. Consume la plante de l'éternité. Trace un chemin. Car tu y as. Nous prions pour toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, descendre en ce lieu parmi nous. Nous voulons voir ta gloire, descendre en ce lieu parmi nous. Que centre de nos valeurs, le motif de nos élans, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus. Et nous venons à Jésus. Par le voile déchiré. Par le voile déchiré. Merci pour ton salut. Merci pour ton salut. Toi l'agneau immolé. Toi l'agneau immolé. Que Dieu, nous voulons voir.
sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, sans bénir, sans ta grâce, nous sommes perdus. Nous venons à Jésus. Et nous venons à Jésus par le voile déchiré. Oh, merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour ton salut. Toi, l'agneau immolé de Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous, Dieu, Dieu. Nous voulons voir ta gloire descendre. À l'Éternel, mais en lui ta confiance. Il agira. Chacun présente sa vie maintenant à Dieu. Alléluia. Il demande à Dieu ce qu'il veut voir Dieu accompli dans sa vie. Nous prions le Seigneur. Père, je te remercie pour ce temps, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as servi ces moments. Et ma prière en ce soir, vraiment, c'est de voir ta gloire, Seigneur, s'intensifier. Seigneur, dans ma vie, je vois une vie complètement transformée. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je désire de voir ma famille, Seigneur, se tourner vers toi. Seigneur, tu brises la rébellion, Seigneur. Tu brises, Seigneur, l'esprit religieux. Seigneur, tu chasses dans le nom de Jésus. Seigneur, un vent nouveau, tu souffles un vent nouveau. Seigneur, dans ma vie couple. Seigneur, dans cette œuvre. Je viens agir puissamment, Seigneur. Je visite nos enfants, Seigneur. Parce que ton esprit est à l'œuvre, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit béni, Seigneur. Pour ta grâce infinie, merci pour ce moment, Seigneur. Tu gardes nos cœurs, tu gardes nos cœurs. Tu éloignes la confusion au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom soit charmant, béni. Pour tout ce que tu dis, dans le nom de Jésus-Christ. Chikalaba, chikalaba, chikalaba. Chikalaba, chikalaba, chikalaba. Chikalaba, chikalaba, merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci parce que tu agis, Seigneur. Je prie que tu agis pour sortir de nous et que tu nous ramènes les âmes. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur pour tout ce que tu dis. Oui, Papa, mon Seigneur, merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus-Christ.